Bitches, bitches, merde. Hop là. Bitches, 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 bitches. Bitches, 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 bitches. Bon, allez, c'est parti, on tombe. Ah oui, t'es allé vers la fin du jeu, c'est vrai. Ouais, exactement. Pousse-le, vas-y. Oh, je suis déçu. Désolé, attends. T'as oublié de sortir à paravoile, par contre. C'est long à tomber, hein. Attends, c'est parce que je suis en train de mettre mon truc en grand écran. Oui, non, mais genre, il est profond, le trou. Oui. C'est toi, Link? Enchanté, je suis Aline du groupe d'archéologique Sonao. Faras m'a chargé de te guider jusque lui, lorsque tu serais arrivé. Mais il m'a fait venir à toute vitesse, je suis tombé à court de graines de Lumos. Résultat, je l'ai perdu de vue. Je croyais qu'il visait cette lumière là-bas. Mais en fait, il a continué son chemin. Et il a disparu en direction de l'ouest. Est-ce que tu as des graines de Lumos? Hélas, non. Oh non, comme tu l'as sans doute remarqué, la lumière de la surface ne tape pas les profondeurs. Il serait particulièrement périlleux de s'y aventurer sans une source de lumière. On trouve souvent des graines Lumos dans les grottes et il suffit de les frapper pour qu'elles illuminent les environs. On ne jure que par cette petite plante dans le groupe d'archéologie Sonao. On en prend une de notre sacoche et on la jette pour faire de la lumière. Ceux qui savent manier l'arc en attachant une à une flèche qu'ils décochent ensuite vers la zone à éclairer. Malheureusement, Faras était si pressé de partir qu'il ne m'a pas laissé le temps de me préparer correctement. Bon, je pensais qu'il allait me donner des trucs lui. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des lubellules maléfiques là. Une libellule. Bon, je vais pas trop m'éloigner de la lumière. Parce que j'avoue, te va pas vers la lumière. Hop là. Racine Wonis Ways. Wonis Ways. Was Wonis. Bizarre. Wonis.
Alors, je vais tenter un demi-tour. Ah ouais, genre, en fait, je suis revenu là où j'étais. En fait, les bestioles, elles ont carrément disparu. Ça se trop bien, les champis fumigènes, là. C'est vrai que c'est rigolo. On va se prendre plein des libellules. Des libellules. Le libellule. C'est le libellule, quoi. Le libellule. Bon, c'est des lucioles, mais vas-y, on s'est capté, t'as vu. Merde, j'ai perdu la lumière, elle est où? Allez, le 3. Peut-être pas y aller vers la lumière, mais il écoute rien, lui. C'est dingue, ça. Vous entendez la musique ou pas, qu'il y a derrière moi? Poupou pipou, non j'entends pas. Nickel. Bonjour Aaron. Attends, c'est quoi, c'est un 8 ou un B? 8, 4, 5, 7. On voit rien sur ce putain d'écran là. Y'a un truc qui se passe, j'ai peur. C'est les mains. C'est juste un message dans le chat. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardonne-le. Hein. Je vais mourir. Je vais mourir. Là. Ah, j'ai rien. Ah, ils sont partout. Holy mother. Non, t'inquiète, c'est l'habitude. Cool. C'est vrai. Bon. Je reviens, Lolo. Faut que j'aille faire les petites courses que je t'avais dit, du coup. Vas-y, vas-y. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, mais sale chien. Sérieusement? Elle est là-bas la lumière, je crois. Ouais. Elle est bien faite. Oh, mais sérieusement, c'est trop là. Où j'aille à la lumière. On va se téléporter directement. Ah, ce jeu stressant là. En fait, quand on n'a pas beaucoup de cœur, ni de. C'est vraiment la merde d'y aller là. Ou en plus, on n'a rien construit. Enfin, bref. Au moins, on a des bombes. Ça, c'est pas mal. Donc, on y retourne. Ah, mais attends. On va lire directement. Ça va nous guider. Il fait noir comme un four, mais avec mes... Hein. On va sauter par-dessus, je pense. Pourquoi tu manges? Ça sert à rien. Bah, tu vois bien que j'ai récupéré mes cœurs. Ça sert. En fait, quand t'es sur les graines, sous les graines, ça te redonne tes cœurs. Et toujours en vie, j'ai un peu mieux. Je regarde des environs, je me suis aperçu que cet endroit est couvert de miasmes. C'est beaucoup trop dangereux de s'en approcher. Ces graines lumineuses, c'est impossible, même pas en rêve. Mais je n'avais pas mis les pieds ici auparavant et je suis toujours debout. Alors un gars comme toi devrait y arriver sans problème. Je viens de voir dans mes lunettes quelque chose de très intéressant. Comme je change à chercher. Cap à l'ouest. Cette lumière-là... Oula, il y a eu un bug de... Ouais, non, ça va mieux, ouais. Je sais pas. En vrai, j'ai peut-être une idée. Pour y aller tranquillement. Les cœurs. Trop haut. Oui, mais les miasmes te prend les cœurs vides. Oui, mais quand tu vas sur la lumière, les cœurs se récupèrent. Donc c'est pour ça que j'ai mangé, pour récupérer mes cœurs.
Comme ça, on va escalader directement, et puis ce sera très bien comme ça. Parce que oui, il te brise tes cœurs, mais en vrai, en soi, si t'as une racine, en vrai, t'as une base pour revenir au cas où. Et après, hop, tu remanges, et hop là, problème solved. Là, je vais faire un truc, je vais... Ah, c'est là-bas, je le vois là-bas, c'est la lumière qui est là-bas. Ça sera plus safe, hein, je pense, de sauter de racine en racine comme ça. Bon, après, c'est pas vraiment une valeur sûre. Oula, oula, Link, qu'est-ce que tu me fais là, dis donc? En vrai, c'est pas si tant loin. Hein. Mais sous terre, manger ça sert à rien quand. Car quand tu prends des dégâts, tes cœurs vite prend les dégâts. Hein? J'ai pas compris. Ça sert à rien quand tu prends des dégâts, les cœurs vite prend les dégâts. Ah merde! J'étais en train de lire. Oh c'est bon, tant pis. Hein. Bon, on va pas escalader, on va pas que ça à foutre. On va juste foncer. Ouais. Ouais, c'est juste là. Allez. Oui, mais quand tu te prends des dégâts et que tu vas sous les racines, ça te redonne tes cœurs vides. Donc à ce moment-là, tu peux manger. Parce que même si ça te redonne tes cœurs, ça te les redonne vides. Les cœurs brisés que les monstres t'ont vidé, là, tu vas sous ça, bim. Ça les dévide et ensuite tu peux manger. Yeah! Donc c'est ça qu'elle voulait, je crois. Hein. Bon, il est où l'autre? Ah, il est là. Je vais supprimer ça, là. Hop là. Oui, mais les cœurs vides prend les dégâts comme un cœur normal. Bon, je vais te montrer. Regarde. Sauvegarder avant. Hop. Voilà. Là, mon cœur, il est cassé. Donc là, il est cassé. Donc là, on est d'accord que si je mange quelque chose, ça servira à rien. Donc on va essayer. Une pomme. Ça sert à rien. Un truc cuisiné. Ça sert à rien. Mais si je vais là-dessous...
Hop, mon cœur revient. Et là, je peux manger. C'est tout. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait trop dur. Oh bah non. Oh, cette petite racine diffuse une sacrée quantité de lumière, dis donc. C'est très agréable. On serait presque à la surface. Et c'est peut-être simplement mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Ah, te voilà, j'ai failli attendre. Je vais te montrer quelque chose. Une silhouette dressée sur ses deux jambes et levant un bras au-dessus de sa tête. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la figure à laquelle s'intéressait Josha, celle sur ce fragment sacré ? Il est temps d'utiliser ton appareil photo. Ah oui, ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de la tablette, c'est ça ? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une des fonctions de base. Montre-moi ta tablette pour voir un moment. Sapristi, l'appareil photo et l'encyclopédie Hyrule sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça. Et puis si je tire là-dessus en touchant là... Appareil photo ! Cette fonction de la tablette Proua permet de capturer instantanément en image une scène ou le portrait d'une personne. Cette image est automatiquement sauvegardée dans l'album. Yay ! On va pouvoir prendre tout en photo. Ce que je ne fais pas en général dans les Zelda, je vous le dis. Et voilà, désormais tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule. Va donc prendre une photographie de la statue humanoïde, ça te permettra de tester cette fonctionnalité en plus. Ah, tester fonctionnalité, deux mots qui sonnent si doux à mes oreilles. Bref, une fois que tu auras pris une photo qu'il te plaît, viens me la montrer, je te prie. Oui ! Voilà, simple et efficace. Hé, hey, toi le jeune, qu'est-ce que tu as de beau à me raconter ? Si tu as capturé une image de la statue manuelle avec ton appareil photo, alors dépêche-toi de me la montrer. Oh là là, ça va. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie ? Extraordinaire. Excellent travail, le jeune. Je suis sûr que Josha sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse de la lumière, une statue qui semble correspondre à ce que cherchait Josha. C'est trop bien qu'on puisse revoir les dialogues. Décidément, quand on cherche un peu, cet endroit est une vraie mine de découvertes. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort de Guet, d'accord ? Et ne fais pas trop attendre, Joshua. Bon, par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je crois que si on suit... Si on suit, du coup, les messieurs, on arrive quelque part. Ah oui, les esprits, c'est vrai. Il nous en faut plein. Merde. Alors attends. Prends les dégâts avec des cœurs vides sans miasme et les miasmes prend les cœurs vides. Prends des dégâts avec des cœurs vides sans miasme et les miasmes prend les cœurs vides. Ouais mais là c'était pas le cas du coup. Donc tranquille. Puisque là, j'avais pas pris de dégâts de cœur vide. Il veut que j'aille où, lui ? Attends. Oui, mais j'allais tout droit, quoi. Ouais. Thank you.
On va arriver à cette racine. Voilà. J'aime bien la cinématique des racines, je trouve ça vraiment stylé, moi. Ça change. Ok, donc après... Il est énorme. Avec le peu de compétences et le peu d'objets que j'ai. Link, arrête de t'accroupir. Faut en mettre une grosse là. Hop là. Pour l'instant, de la partie, on n'a pas croisé de vieilles mains bizarres, tout ça. Heureusement d'ailleurs, vieux cauchemar. Rien que d'y penser, ça me stresse. Ah, mais Link! Putain, il est chiant quand il s'accroupit, là. Ouais, tu sais quoi? Voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Bah il est où? Ah il est là. Nickel. Hop là. Oh mon Dieu, ils m'ont fait peur. Ils peuvent pas venir jusqu'à moi ? On va prendre la méthode directe. Chiant! Là. Le mec il me traite de chiant, non mais super! Non, j'ai dit chiant! Pas à toi. T'as déjà fait tes courses? Ah, c'est juste en bas. Juste à descendre 3 étages et j'y suis. Bon, je peux quand même descendre les 3 étages. Évidemment, t'as bugué un peu là, AD. Ouais, c'est bah, il décharge sur Baco donc. Donc on va sur un 4G, attends. Qu'est-ce qu'il télécharge? Il télécharge Counter-Strike, Global Offensive. Ah. Hey. Let's go. Pour les intimes. D'accord. Bah, excuse-nous de t'avoir dérangé dans ton téléchargement. Ah bah c'est pas moi qui télécharge que ça va foutre.
Autant jouer à Valorant, quoi, si je dois jouer à ça. Oui, clairement. Oui, c'est vrai. Oh, la tonne de sonium que t'as là. Ah, fais gaffe, t'as perdu un cœur. Mais non. T'as failli perdre un cœur. Non, toujours pas. Ah, si, t'as marché dans les miasmes. C'est tout. Ah, ouais. Ouais, mais ça m'a pas affecté, donc tranquille. Bah, ça va du coup. Mais elle est où la prochaine statue? Elle est là-bas. Du coup, t'as bientôt fini les souterrains. Bah là, j'ai fini la quête là, mais je continue pour chercher un sort en particulier, duplicata. Ah, ah, pour pas avoir à refaire les motos 20 milliards de fois là. Exactement, Adé, t'as tout capté. Il me semble qu'il y a aussi des téléports, enfin des points de TP là. Ouais, genre, et puis il y en a beaucoup plus. Ouais. Plus que un, genre. Bah ça change de BOTW, ça c'est oui. Sûr. Pou pou pipou. Il est toujours pas là, Zeldo. Bah non. C'est que c'est long à faire ces temps forts. C'est quoi les temps forts? Je n'avais pas compris ça d'ailleurs. Bah, pour pas que les vidéos se perdent sur Twitch. Ah. Bah, il peut faire ça avec nous. Non. Faut j'en sais rien. On est pas assez bien pour lui, c'est ça, je pense. Non. Je pense qu'il laisse la place pour Maeva, genre. Hein? Quel est le rapport? Je sais pas, je la vois connectée. Faut que je dise une connerie. Soit souvent qu'on la voit connectée quand même. Sur Discord. Ouais. Et pas faux. Bah non. Bloody hell, rien du tout ici. S'il veut du temps. Sous le centre d'Hyrule. Pas nickel ça, dis donc. Dans le cul. Ah oui, je le vois. Oui, j'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est là que je dois aller. Mais il y a un truc de monstre là. Toi le monstre. Attends, on va éclairer leur truc là. Ils vont pas s'y attaquer, non? Non, ils vont la laisser, ouais, nickel. Vous pouvez pas faire ça dans Breath of the Wild, quand même. Hein. Non, clairement. Enfin, en même temps, il y avait pas besoin, hein. Mais bon. Parce que là, même si j'y vais en traçant, comment dire, je vais me faire défoncer. Bon, alors sinon, on va se battre et puis c'est tout. Hein. Battez-vous ouais, comme des hommes. Coup de flèche. Je prends le coffre d'abord, parce que je suis pas un... Fleur radieuse, en plus c'est pas n'importe quoi les fleurs radieuses, c'est pas mal. Bien. C'est bon, ils sont partis. Apprendre les esprits.
ils sont là. Lui. Fleur de confusion, ça c'est trop bien les fleurs de confusion, les monstres ils s'attaquent entre eux. Tu t'es bien battu. Yeah, je me suis pas vraiment battu du coup, mais c'était drôle. En tout cas. C'est de pire en pire. Oh là là, ça ne s'arrête donc plus. Oula, un petit bug là. Oula, attention. Eh, bouffe-toi ça. Voilà, ça y est. Ah, c'est parce qu'il y a une pub que ça a bugué. C'est pour ça. Ouais. Ah, et 85 secondes, hein. Ils battent les records à chaque fois. Ah, mais on les arrête plus, là, c'est ça y est. Pire en... C'est pire. Non, mais depuis hier, c'est de pire en pire. Sérieux ? On voit le durer 10 secondes, là. Bah ouais, hier, ça fait une minute, 70 secondes, 80 secondes, là. 85, mais où va le monde, là ? Moi, je m'en foutais quand c'était Zelda qui se les tapait, là, mais là, fait chier, quand même. Ouais, je peux comprendre, en vrai. Pourquoi ça bug, mais... là ? Faut arrêter de bugger, monsieur. C'est l'émulation aussi. Qui ne doit pas être non plus totalement stable. Ouais, parce qu'on peut rien dire à propos de mon ordinateur, hein, voilà. Je ferais plus confiance à ton PC qu'en émulateur. Ouais. Ouais. On va arranger ça. Be right back, les gens, je reviens dans 2 minutes, le temps de redémarrer tout ça et de mettre tout ça bien. Be back right. Yeah. Re... Rosaldo. Re beau gosse. Pourquoi tes diamants... Pourquoi t'as des diamants devant tes pseudos? Ah oui, parce qu'il est VIP. Ah oui, Zelda c'est un VIP. Ouais. Zelda c'est le copain. C'est pour ça. J'ai été surpris c'était quand? Hier ou avant-hier? C'était la première fois que j'allais sur le chat de Luna, j'avais le petit diamant. Ah ouais, t'as mis le diamant? Sympa, bah ouais. Parce que je le vaux bien. Parce que je suis le meilleur des autres. Ah, faut arrêter de bugger, monsieur. J'ai baissé la qualité, monsieur. Faut arrêter de bugger, Zelda, s'il te plaît. Ça devient gênant. Bah, ça va, on t'attend là. Mais sinon, ça va. Pourquoi je me casse le cul à monter les escaliers alors qu'on peut traverser les murs? J'aurais pu le faire avec ma Switch, hein, mais bon, la 4K elle était pas trop présente sur la Switch. Ni la 2K, surtout. Ni la 2K, oui. J'ai baissé la qualité du jeu, il est super moche, hein, donc je fais un effort considérable. Ils ont intérêt à faire quelque chose, hein, sinon je vais m'énerver. Mais ça va, sinon, hein, Zelda. C'était bien vers 20h30, Ratchet. On va faire Ratchet. Moi j'ai genre pas reçu de message de mes amis, à croire qu'ils m'ont oublié, hein, tu sais. C'était pas demain ? Moi je sais plus. Bah c'est aujourd'hui et demain. Ce soir. Ah, Sonium supérieur ! Attention les mirettes ! Y'a pas un truc caché ici là ? C'est pas ça. Rangez vos mirettes, attention. Y'a un truc de caché mais je sais plus où c'est, enfin bon bref. C'est tout droit. Je suis pas moche. Bah, il est hors de cas là. Encore heureux qu'il est pas moche. Oui, grave. Je sais que c'est de la Switch, mais quand même. Visiteur authentifié. Il a bougé.
je vais te donner le pouvoir duplicata. Utilise-le pour explorer les profondeurs ou extraire du sonium. Moi aussi, je veux extraire du sonium. Bah ouais, là. C'est un scandale. Moi, j'ai déjà fait le jeu. Moi, j'ai déjà fait le jeu. Oui. Oui, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Oui, vraiment. Enregistre les constructions réalisées au moyen d'emprise et permet de reproduire instantanément les assemblages enregistrés en utilisant du sonium et des matériaux. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Il t'a juste donné le pouvoir ancestral dont parlaient les textes. Incroyable. Tu veux bien nous montrer ? Ces textes décrivent ce pouvoir. Voyons. Ça dit, usez de ce pouvoir pour mémoriser sans délai tout objet de votre fabrication. Vous pourrez reproduire instantanément tout ce que vous aurez mémorisé. Oh, mais je sais comment tu vas pouvoir nous montrer ton pouvoir. Nos véhicules sont tombés en panne et on n'a aucune idée de comment les réparer. La roue est tombée de celui qui se trouve sur le piédestal circulaire. Et celui qui est sur le piédestal carré est complètement tombé en morceaux. Mais avec ce pouvoir, si tu répares d'abord celui qui se trouve sur le piédestal circulaire, tu devrais ensuite pouvoir réparer celui qui se trouve sur le piédestal carré, non ? Utilise ce pouvoir incroyable pour réparer ces véhicules en un clin d'œil. Tu veux bien commencer par réparer celui qui se trouve sur le piédestal circulaire ? Les Sonao qui ont créé la navigation privée bientôt. Dans mon jeu, moi, j'ai mis v'là le temps à avoir ce pouvoir. Bon, en même temps, je vous me dirai, il m'a pas beaucoup servi. Faut savoir qu'il est là-dedans, là, déjà. Ouah, ça a marché, la roue qui était tombée, tiens, à nouveau. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Occupe-toi de celui qui est sur le piédestal carré. Utilise ton nouveau pouvoir pour le rendre comme neuf. Si mon jeu veut bien arrêter de bégayer... Oh là, ça a pas l'air de bugger, on va continuer. J'espère que t'auras hâte de recommencer le jeu quand il y aura le mode expert, par contre. Ah. Vu la structure ouverte, tu peux tout à fait... Vu la structure ouverte, tu peux tout à fait tomber dessus en dernier, oui. Encore une idée géniale. Tu peux juste faire le tour, quoi, oui. Et l'esquiver à tout jamais. Incroyable, c'était comme s'il lui était jamais rien arrivé, et ça ne t'a pris que quelques secondes. C'est exactement ce que j'espérais voir. Merci, pouvoir ancestral. Les textes disaient donc vrai. Quel pouvoir extraordinaire, chef suprême. Je vois, alors c'était vrai. Beau travail, tous les deux. Quant à toi, l'épéiste, t'as bien mérité mes félicitations, toi aussi. Je ne sais pas comment te remercier. Oui, je n'oublierai jamais le rat qui m'a précipité sur ces terres depuis mon repère des contrées Gerudo. Je ne t'ai pas oublié. J'ai juré que je me vengerai de cette Zelda et de mon pire ennemi. Que je me vengerai de toi, Link. Enfin, je te retrouve. Et n'essaie pas de me faire croire que tu m'as oublié, on est liés par le destin. Tu vas trembler en entendant mon nom comme tu l'as fait la dernière fois. Je suis le chef suprême du gang des Yiga, le puissant. Dans les profondeurs, je renais de mes cendres tel un phénix. J'ai oublié son nom. Koga. Je suis le grand Koga. Ah. Comme dans grand Pokémon. Koga, chef suprême des gangs des Yiga. J'ai tout vu. J'ai vu le moment où tu t'es emparé du pouvoir ancestral qu'on recherchait. Celui qui est mentionné dans les vieux textes que l'on a trouvés sur ces terres. Celui qui a enregistré les objets que tu as assemblés et qui les réplique instantanément. Tout le monde pensait que ce pouvoir était perdu à jamais. Et toi, tu as triché. Ah. Pendant qu'on se casse les trognes à construire des objets à la sueur de nos fronts, toi tu les construis instantanément, c'est de la triche. Ce pouvoir, nul ne saurait en faire un meilleur usage que notre seul et unique maître, sa magnificence. Sa magnificence, son unique rôle est de vous écraser, toi et Zelda. Mais bien sûr, t'as pas pu t'empêcher de te pointer et de nous l'arracher des mains. Pauvre naïf, je vais te réduire en poussière et le récupérer moi-même. Prépare-toi à mourir. Oh shit. Chitoli.
Bon, ça va le toucher là ou pas? Bon, au pire, on va passer par là. Oh, mais attends, j'ai. Oh, ça, le chien de la casse. Attends, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Ah, ça n'a pas marché. Oh, le fils de chien. Tu peux pas construire un véhicule toi-même, sinon? Là! Là, il est où? Ça va être long, par contre, non? Oui, là, ça va être long. Je pense que je suis pas censé faire ça, déjà, de base. Je suis même pas sûr que t'aies assez d'armes pour le tuer. Oui, vraiment. C'est pas comme si t'avais les bombes pour faire des dégâts. Si, j'ai. T'as des bombes maintenant? Ouais. Ah, il y a les objets, mais pas les vrais, pas les trucs à la tablette. T'as pas en illimité, quoi. Oh mon dieu. Sale chien. Merde. Ouh. Ah, mais il triche là. Il a pas l'air cher comme boss, ça va. Bah, pour l'instant, ouais. Non, mais surtout Zelda, dans le sens où tu fais un open world. Donc il faut que tu puisses, dans n'importe quel ordre où tu fais le jeu, toujours le faire, quoi. Enfin, toujours que ce soit faisable. Alors là, si t'as pas assez de place dans ton inventaire pour avoir des armes qui lui font assez de dégâts pour le tuer, bah, t'es softlock, entre guillemets, t'es obligé de mourir. Ouais, là, en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est insupportable que ça bug. Ah, mais à mon avis, oh, ça va être souvent Dieu, dans les trucs pires. Il y a des chances que chez les auras ça bug aussi. Hein. Est-ce que je peux... Je peux vivre, non. En fait. Ah, c'est la gavée, je crois. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, en effet. Ça dégage. Ah, petit impertinent, tu veux bien te laisser faire? Oui, c'est censé être un combat loyal. Bah, tant pis, je vais m'arrêter là pour cette fois. Écoute-moi bien, j'ai déjà trouvé plein de ruines dans ce genre-là.
Et je t'ai vu utiliser ta main droite pour activer ce golem. Je connais tous tes secrets maintenant. Alors je m'en vais. Je vais faire un tour à la mine abandonnée du sud-ouest et récupérer le même pouvoir que toi. Grâce à lui, je mènerai le monde à sa fin en compagnie de sa magnificence. Casse-toi. Hein. Ne te fatigue pas à me suivre, tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Oh non, la lame Boko. De toute façon, dans 5 minutes, il n'y a plus de piles hein, dans son truc. Enfin, 30 secondes, pardon. Oui. Clairement. Yeah, cristal d'énergie, Sonao. Jeune héros. Oui, je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre malgré moi votre conversation. La mine abandonnée du sud-ouest où est parti cet individu est vraisemblablement la mine abandonnée Gerudo. C'était autrefois un haut lieu d'extraction et de raffinage comme la grande mine abandonnée centrale où nous sommes. Tu peux t'y rendre d'ici en suivant les statues de pierre. Bonne soirée à Aaron. Tu arriveras peut-être mieux à te repérer en rejoignant d'abord la lumière que l'on voit là-bas. Encore une chose, avant que tu ne prennes la route, nous avons quelque chose pour toi. Va parler à mon collègue là-bas. Collègue, je viens te parler. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. À présent, je n'ai plus aucun besoin de me cacher. Mais parlons des choses sérieuses. Toi qui as obtenu le pouvoir duplicata, laisse-moi donc te donner cette gravure d'assemblage. Yes, aéronerf, la base. Tu devrais pouvoir l'utiliser avec un nouveau avec duplicata pour assembler une nouvelle construction. Il ne reste plus qu'à préparer les pièces dont tu vas avoir besoin pour essayer cette gravure d'assemblage. Youpi. Jupiter, tralala. Tralala, chouin, chouin. Les gravures d'assemblage te permettent de créer des choses dont tu n'as jamais construites auparavant. Je ne saurais trop te conseiller. Bah ça a pas collé. Fallait cliquer sur fabrique. Je suis bête. La gravure d'assemblage te permet de créer des choses que tu n'as jamais construites auparavant. Je ne saurais trop te conseiller d'essayer. Bon bah c'est bon, c'est fait. Ça lag quand même. Oui, ça lag. C'est insupportable. Oh non. Je reviens. Thank you.
On va essayer comme ça. Hein. Ça a l'air d'avoir rien changé du tout. Sinon, on va être sur Go chercher la Switch, hein, tu vas voir. Bon, pas aujourd'hui, mais. Mais Soon Enough. Hein. D'ailleurs, Zaldo, je sais pas si t'as vu là, mais ils ont sorti une nouvelle console, c'est un rat là. Que je connaissais même pas le nom. Oh, c'est où déjà le truc? Ça doit être dans Overs. Ouais. Ouais, c'est. Ça s'appelle Usebox. Et de ce que j'ai lu, c'est genre une console open source qui est sortie genre 2006-2008, un truc comme ça. Qui permet bah, de jouer, de créer des jeux bah, de manière open source, quoi, un peu à la WonderSwan, qui est recompatible avec les navigateurs. Bon, c'est des jeux qui sont équivalents jeunesse, hein, mais. Mais c'est toujours intéressant. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, il nous reste combien de temps avant que Zaldo stream, il ouvre mon téléphone. C'est pas. Là. Il nous reste... Oh bah ça va, il nous reste une petite heure. Je sais pas... Allez, un petit peu de triche, on va faire les amiibo, c'est parti. Oh, ça, oh ouais, c'est sympa, tu vois, le fait que ce soit open source et tout, ça se prête bien à Hera, là, mais... Bon, faut un peu. Je dis pas que c'est de la merde, mais je laisse ça pour les autres. Juste que du coup il y a eu 20 notifs hier bah, pour tous les jeux qui sont sortis d'un coup là. T'avais un ping toutes les 5 minutes. Putain mais la tenue nulle quoi. Oh, mais attends en plus je l'avais pas déjà ça. Attends. Ah non c'est la tunique du prélude, c'est pas la même. Bah oui t'avais celle des rêves. Ouais. Est-ce que je me disais aussi. Ça arrive vite avant, avant qu'on fasse ratcher là, faut que je fasse du WarioWare. Non, du Wario Land. Bah il reste une heure là. Oui, vite, je démarre l'émulation. J'ai vu que Zaldo il m'avait donné une save en même temps, je suis curieux, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans la save. Ah, il est où? Wario Land 4, bon, j'ai Arc bien. Boko. Amiibo de Darouk. Casse-pierre. Casse-pierre. C'est la casse de pierre. Ouais, elle est nulle la save. Les gardiens, des fois, niveau, avec hein. Les gardiens, j'ai un truc nul. Rare, mais là, j'ai rien. T'aurais pu mettre une save 100% Zaldo, franchement. Franchement, Zaldo, aucun effort, je trouve. Qui dégoûte. Ah bah, là ça le fait venir là. Hein. Ah bah là, franchement, ça y est. Zaldo, hein, vous aurez pu faire des efforts, Zaldo là. Ah. Bah, je savais même pas qu'il y avait des sauvegardes avec les jeux que j'étais passé. Bah, j'ai vu ça hier quand j'ai téléchargé la ROM parce que j'ai vu qu'il y avait la version française. Bien sûr. Mais bon, j'ai vu que je l'avais déjà en fait, je me suis dit, bah, je dois déjà l'avoir. Et j'ai vu qu'il y avait une save du coup. Il y a ça. Là. Voilà. Bah tu peux commencer du début, de toute façon j'ai juste fait la première zone qui dure un niveau. Oh, j'ai juste fait le tuto, ouais c'est ça, donc... Je me suis en normal. Putain, c'est vraiment de moi ça. Bah oui, en même temps... Bah oui, oui. Voilà. Ouais, ta ROM est compatible avec l'AR1? Bah oui, je l'ai pris sur l'AR1 directement. Ah ok, je savais même pas qu'il était traduit en français ce truc. Si. C'est long par contre. Ça va, Lolo? Excusez-moi, je me suis accosté comme ça d'un coup, excusez. J'ai vu, mais c'est pas grave. Hein. Ah ouais. Sinon, je sais bien de base que tu préfères AD, mais bon, c'est autre chose. Je rigole, hein. C'est une blague. Ma soeur qui m'appelle là, mais qui répond même pas au téléphone, ça c'est vraiment fun. Hein. Comment ça? Ouais, elle m'appelle et puis ça répond pas. Ah. Voilà, c'est tout. D'accord.
Ah non, c'est pas Wario Land, je sais pas qu'est-ce qu'il allô dit, c'est Wario Land. LOL. Oui, allô. Non, mais bah, du coup, t'es comme un con dans le vide, là. C'est vrai que c'est long. Ouais. Ah, Wizrock, qui explique, tu voyais finalement le mode online, enfin, être dispo, pastille verte, c'est chiant. Bah non, c'est marqué à gauche, parce que sur le stream, il y a l'aperçu, c'est pas marqué dans ma liste de jeux, à droite. C'est juste qu'elle a vu l'aperçu de l'écran de sauvegarde, là. Ah, c'est bon. Fallait juste appuyer sur Start, quoi. Il est un peu bête. Alors, je décroche au téléphone, du coup. Donc ça suit le 1, 2, 3. C'est quoi le lore? Vas-y. Le lore, en gros, c'est qu'il y a une pyramide qui a été trouvée au milieu de la jungle, avec plein de trésors, il paraît. Et Wario, il a vu ça dans le journal et il y va. Voilà. Okay. En gros, c'est ça. Et donc, il arrive dans la pyramide. Voilà. Tu peux jouer au n'importe lequel, il n'y a pas de timeline, là, t'inquiète. Pantalon du ciel. Il n'y a pas de lore incroyable. Les Wario Land, en général, c'est Wario qui va quelque part parce qu'il paraît qu'il y a des trésors et il y va. Et puis voilà, c'est bon. Je suis un peu déçu. Voilà. Je m'en fous. Bah en gros oui, de toute façon ça arrive juste sur cette image là. Parce qu'il part dans le désert, et il arrive dans la jungle. Tout. Il est fort. Dans Hard, t'auras plus de RA, il me semble. Mais la dur. Différence c'est que t'as moins de vie, et que les trésors sont mieux cachés, entre guillemets. Ouais, s'en fout quoi. Oui. Là, tu dois faire combien? Un RA de 5 points. Oh mais facile. Oui mais... Attends, oui, mais il faut le bon ID d'achievement. Parce que là, je suis sur la case 15C. Oui. Et l'étoile, elle est. Et l'étoile, elle est sur la case 40. Ouais. Ah. Donc, il faut aller à. 4. Il faut quand même pas mal de points. Hein. 4, 5, 6. Waouh, 10 points. Mais ça, c'est le Wario des ombres. Trop bien. C'est mon Wario Land d'enfance. 10, 11, ah, mis celle-là, le tissu du miroir des ombres. Bon, bah, sur mon jeu, j'ai tous les tissus et tout. Je m'étais cassé le cul à tous les avoir. Même celle avec la quête. Faut que je fasse au moins 11. L'ID du jeu, c'est quoi? Mais AD, je l'aime bien comme ça. On dirait trop un stratège général d'armée. Là. Oui, mais j'ai toujours de la chance. L'ID du jeu, c'est 800. Et donc? Bah, ça finit par 0. Et donc? Donc ça vaut 0. On lance le dé. Donc je ferai pas 11 si j'ai 0 et que le dernier chiffre ce sera pas un 11. Ça, c'est pas possible. Donc. Ah, il y a peut-être la schéma numéro 10 000. Ah si, mais il y a peut-être la schéma numéro 10 000 là. 10 000. Ah ouais. Et là, c'est finir le jeu. Tu suis piaf. C'est 9999. Voilà, 10 000. Du coup, ça ferait un lancer à 8. Bon, il faut que tu fasses quoi, des dangers? Beat the toxic landfill et collect all gem pieces. Ok, bon, ça va, je sais où c'est. C'est pas long. Toxic landfill, c'est le. Oh merde, ça fait disparaître! C'est le niveau de deuxième zone, mais tu peux choisir les zones dans l'ordre que tu veux. Donc, ouais, c'est pas grave. C'est bien, Wario Land 4, c'est cool, tu peux choisir. C'est un peu un open world, hein. Tu peux choisir l'ordre que tu veux pour faire les zones comme dans Breath of the Wild. Ah ouais, mais ça peut atterrir sur quel cas si je suis 8. Alors attends. 1, bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une case bleue. On va faire 9, mais c'est une case verte. On va faire 8. On va faire 8. Parce que la verte, tu sais pas ce que ça fait, t'as peur. Bah, c'est soit je perds des pièces, soit j'en gagne. Là, ouais. Oui, bon, ce serait qu'on perde des pièces, t'auras plus assez pour les soins. Moi, j'en ai que 25, là. Donc. Mm-hmm. Ouais. Bon, je te laisse découvrir ça. Moi, c'était mon Wario d'enfance, je l'ai adoré. Une minute 22 tubes, loulou, c'est de mieux en mieux. Hein. Mais ouais, 90 secondes, mieux en mieux. Hein. J'ai que des pubs comme ça. C'est... De mieux en mieux. Hein. Vraiment, les pubs de loulou, c'est de mieux en mieux. Non, mais bon, c'est déjà que c'est pas toi. Et à chaque fois, j'oublie de. Mais pourquoi il accélère l'ému? Il est con. Mais moi, je voulais taper. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Mais il y a un gros mur. Ah, monsieur de Shake. Shake, shake, shake.
Tic, tic, tic. Oh, ça fait mal, les pics. Alors, vous apprendrez que foncer dans des pics, c'est pas une bonne idée. Bon, ça marche bien dans Wario et Luigi. Mario et Luigi. Wario et Luigi. Non, Mario et Waluigi. Ça, je pense que t'avais vu le faire. Le tuto. Bah, c'est peut-être ça que t'as eu la sangle. Non, mais genre, t'avais dû faire ça en stream, genre. Tu vas mourir, hein, par contre, fais gaffe, hein. Bah ben ouais, mais ça. Le coffre, il m'empêchait d'aller le tuer. Quand qu'on gagne des pèves? Avec des cœurs. Ou bien, t'as la barre, quand tu tues des ennemis, t'as une petite boule rouge. Et tu vois la barre en dessous des cœurs, elle se remplit quand elle est remplie d'un à cœur. Amuse-toi. Moi, c'est mon Wario préféré, de toute façon. Ça va, le tuto? C'est pas clair. Je sais pas pourquoi ils ont mis un bloc normal à casser juste avant. Pour montrer que tu peux passer dans ce bloc-là, ça le casse aussi. Mais tu passes vraiment dedans, t'as pas d'anime de je le casse, quoi. C'est juste, tu passes à travers. Enfin, tu passes à travers, il se casse, quoi. Ouais. Vous y arrivez, le timing? Bah ouais, mais je comprenais pas, genre, pourquoi quand je saute là, il arrête. Bon, si, faudrait qu'il saute quand j'appuie. Là, il veut. C'est que je sautais trop tôt, peut-être. Et c'est à quoi l'esquer découvre Wario Land. Les aussi, quand on découvrait mes jeux, étaient full mauvaise foi et ils disaient que c'était de la merde. De ces jeux, peut-être qu'il avait pas tort. Fallait dire que c'était du génie. Eh, bah peut-être. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais bon. Mais bon, moi, je pouvais pas dire que ces jeux c'était de la merde. Ah bah non, ça t'as pas le droit. Ah bah non. Mais. Je sais plus à quoi j'ai joué là avec. Ouais, bah, ah oui, parce que ça, c'est un truc qui a jamais été sur Entang Games. Ça a été un concept qui a été fait, mais la chaîne elle a été. Supprimé avant, c'était le concept de je lui faisais découvrir un jeu d'une licence et lui il m'en faisait découvrir une de des siennes aussi. Je sais plus comment ça s'appelait. J'avais même pas fait les montages de ça. Bah c'était vraiment, on l'a fait à la fin de l'année, quoi, peu avant la fermeture. Ok. Le principe c'était, bah vu que moi j'arrêtais tout, j'allais plus être avec lui. Donc il fallait quand même des vidéos où il soit dedans. Ouais. Pour qu'il n'oublie pas qu'il existe quand même. Alors, faudra m'expliquer pourquoi ça marche pas, par contre. Hein. Parce que tu le lances de trop loin, peut-être. Mais what the fuck? C'est vrai que c'est un petit peu con. Non, tu vas mourir. Au secours. Ah, j'y pouvais rien, là. Oui, oui. Attention, attention, attention. Oh, ça fait peur. Oh, mais je te conseille d'aller à droite, vraiment. Genre, ouais, la suite, elle est en haut, mais à droite, il y a un truc cool. Un caillou. Bon c'était alors. Pas fou, moi. Ouais. Ouais, mais c'est bien, t'allais mourir. Et il se passe quoi si la part se remplit là? Je gagne de l'argent. T'as. Non, t'as. Bah, t'es full vie, quoi. T'es vraiment full, et du coup, au lieu d'avoir les boules rouges, ça te donne de l'argent en plus. Donc c'est pour avoir plus de pognon. Vraiment, dans le jeu, tu vas se faire toucher, quoi. Parce que le score, ouais, le score, c'est l'argent, quoi. Tu vois, t'as 3100, là, ou à droite. Ouais, plus que toi sur ta save. Sur la save, j'avais genre 6000, je pense. Oui. Bip, bip. Mais je pense que t'as des R1 quand t'as les couronnes d'or. Les couronnes d'or, c'est 10 000 dans chaque niveau. Bon, j'en sais rien. Oh, ils ont traduit clé. Ah ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. Clé. 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 Attention, oui, ils font tourner les manivelles, ils font tourner les serviettes. Hein. Ouais, ils font tourner la tête aussi. C'est bon, voilà, t'as eu les 4 morceaux de la gemme, GG. Là, c'était le tuto, ils étaient sur ton chemin. Dans les autres niveaux, ils seront cachés. Amuse-toi. Si tu les as pas, enfin, tant pis pour toi. Si tu les as pas, ah, effectivement, parce que c'est un petit peu ce qu'il te faut pour aller au boss. Donc, bon. Et tu dois tout recommencer le niveau, si tu as raté un morceau. Quand même.
Ah oui, quand même, faut pas deck. Bili 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 bili. Tu vois pourquoi j'ai fini avec 6000? C'est un score raccord. Je me rappelle plus pourquoi la tour elle fonctionne plus, je crois qu'il y a une grotte pas loin. Ah! Pourquoi? Vite, bah, hurry up, hein! Manque ah oui, c'est le jeu du stress, ce jeu, je vous avais pas dit. Puis là, la sortie, vous reprenez la sortie. Je pensais qu'il y avait un truc caché. Mais c'est genre ça explose quand t'appuies les crabes, sur les crapauds là. Ouais, c'est ça, ça déclenche une bombe et les blocs. Il y a un bloc qui devient. Tu peux traverser, les blocs deviennent solides là. C'était le tuto pour te montrer que tu pouvais. 23 000 vraiment le aller. Premier. Comment ça, 23 000 le premier? Bah, sur le leaderboard. Putain, il est ouf. Voyez, ouais, save auto. Save auto. Et du coup, c'est ça le principe, c'est que tu vois, tu dois trouver la clé pour passer au niveau suivant. Et tu dois avoir la gemme pour accéder au boss. C'est comme TOTK. Ouais. Après, là, bon, ça va, il y a un seul niveau, c'est le tuto. Mais dans les autres zones plus tard, il y aura 4 niveaux. Okay. Donc, pour passer au niveau suivant, c'est la clé. Pour faire le boss, c'est les 4 gemmes à chaque fois. Bah là, c'était juste le... t'as juste le tuto. Quoi. Tu devras avoir faire le premier boss avant de pouvoir aller ailleurs. Les mini-jeux, si tu payes pour jouer à des mini-jeux qui te donnent des pièces grenouilles, les pièces grenouilles, ça te sert à acheter des bonus. Tu vas voir ça, de toute façon. Tu vas voir, t'auras un couloir et t'auras une boutique. Et dans la boutique, en gros, tu peux acheter des trucs pour handicaper le boss. Genre, ça lui enlève de la vie avant que le combat commence. Ah. Voilà. Tu vois, et ça coûte des pièces grenouilles à chaque fois. Visorman. Un saxo. Et si t'appuies sur ce cadeau, tu... Voilà, tu as un héros. Voilà. Qui vaut 5 points. C'est... Quand même, pas mal. Et voilà le premier boss. Bon, ça va être le tuto. C'est le genre de truc qui est censé valoir 0 points, ça, en général. Et tu vas comprendre pourquoi... Le jeu est dur. C'est utile d'avoir peut-être des bonus pour lui enlever de la vie au début. Voilà. Faut une seconde. Ouais, c'est pas dur, de toute façon. Taper. Ouais, mais là, c'est le premier boss, ça va. Ah, je l'ai pas investi, par contre. Bah, pourquoi je pouvais plus le taper? Oh, mais t'es en frame d'un vu, tu passes à travers. Ah, fallait prévenir. Ouais. Après, tu peux tester les mini-jeux, si tu veux. Ça coûte juste 2000 au début du jeu. Tu veux pas jouer? Tu veux pas jouer? Alors, vraiment, la roulette Wario, c'est le plus marrant, hein. Mais ça, je pense que tu m'avais vu le faire. Ça me dit rien. Bah, observe. Au secours. Voilà, c'est un petit jeu comme ça, vous avez compris. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, on s'en cogne, en fait. Tu pourrais peut-être me l'aider? Quel est le problème? Je déclenchais un piège en explorant les ruines et me v'la coin maintenant. Attends, et me v'la coincé maintenant. Ah, ça, c'est bien ma veine. Alors, c'est amusant, non? Tu vois cet interrupteur? Si t'appuies dessus, ça devrait me libérer. Je suis venu par l'entrée de la grotte là-bas. Allez, sois sympa, à part attendre ici que tu m'aides, je peux rien faire. 2 secondes, oh là là. Les gens sont pressés de nos jours. C'était la grosse lèvre. C'était. Non, c'était la petite bouche. Ah merde, j'ai hésité. J'ai pas une médaille. Non, parce que tu dois faire un certain score pour en avoir. Ah, et puis oui, c'est 2000, ouais, c'est bon. Tu dois faire un certain score pour en avoir. Et ça dépend du mini-jeu. C'est genre tous les 3, alors que t'en as une. Là, le Wario Hop, je pense que c'est tous les 15. Et le baseball, c'est dégueulasse, de toute façon, j'y joue pas. Voilà. C'est trop cher, là. La merde, voilà. Bah, après, ce sera 5000, hein, donc bon. C'est vrai qu'il faudrait farmer maintenant, quoi. Ouais. Puis t'as les modes, t'as le mode, quand tu finis le jeu en mode hard, t'as le mode super hard, et en super hard, je pense que t'as juste 15 secondes pour le battre, lui. Du coup, t'es quasiment obligé d'acheter un truc pour le battre, sinon... Ouais, sinon tu peux pas, t'as pas le temps. Ouais. Donc là, tu dois sauter par-dessus. Ouais. Ah, je pouvais le taper, mais tout à l'heure, je pouvais pas. Dans le dos seulement, ouais. J'ai... Il est moisi. Du coup, si tu veux aller à Toxic Landfill, il va falloir que tu ailles au Ruby Passage. Et c'est le deuxième niveau. Donc bon, ça devrait aller.
J'ai peur. Bon, tu commences pas par le passage émeraude qui est censé être le début, vraiment, mais... Après, bon... En théorie, tous les ponts peuvent se faire dans n'importe quel ordre, là. C'est un vrai open world, quoi. C'est vraiment ça. Là, imagine que t'es chez les piafs. Je sais pas, voilà. Ils sont cool, les piafs. Ils ont changé, quand même, hein. Bon, en vrai, je reconnais Rivali, là. Rivali, une grosse gros. Merdasse. Gros Vali. C'est Gros Vali. Oui. Gros Bali. Mais non, moi j'avais le jeu quand j'étais petit, il était vraiment cool. Maintenant, c'est mon Wildland préféré, là. Parce que la nostalgie. Non, puis même le premier, c'est... C'était le Shake It que j'avais. Ouais. Ah, moi j'avais le Shake It aussi sur Wii. Il était bien. Il était incroyable. Mais il ressemblait un peu. Tu vois, quand tu finis les niveaux, t'as aussi la limite de temps, tu dois vite repartir, etc. Ah ouais, ça me faisait penser à ça. Je me souviens juste quand tu pouvais secouer les coffres. Et secouer les sacs et les ennemis. Moi, c'était la Wii, quoi. Ah. Comment on fait ? Ça rame. Bah ouais, ça rame, le lourd. Ça paguait. Hein. Je rame pas. Non, c'est pas le lourd, c'est AD qui rame. Non, tu vas comprendre. Avance plus loin dans le niveau, tu vas comprendre comment on fait. Mais ouais, sur Game Boy, ils sont comme... Bah, c'est la Game Boy, quoi. Déjà, bon, ok, je sais, Sylvain, on t'aime bien, mais vraiment... voilà. Pauvre Sylvain. Ah non, mais... C'est pas du riff, t'inquiète. C'est du peinture. Mais en même temps, Sylvain, il a même pas réussi à finir Link's Awakening, quoi. Et il se dit fan de la Game Boy, hein. C'est vrai. C'est bloqué au Donjon 2, là, ou je sais plus. C'était voilà. Un peu bâtard le timing. Ouais, mais t'étais obligé de te le prendre, c'est pour te montrer que ça t'aplatit juste. Parce que tu as des transformations et l'aplatissement, t'en es une. À gauche, il y a un secret, je crois. Parce que le but, c'est quand même d'avoir les... Ah non, quoique, ouais, on s'en fout dans ce niveau-là. Bon, moi, je veux bien, mais comment je remonte? Je suis obligé d'aller au bout. Moi, je voulais juste l'argent. Là, dès qu'il veut l'argent du leader. Ah, mais du coup, c'est mort, là. Je veux plus retourner. Ouais, c'est mort. C'est dommage, mal branlé. Ouais, je savais que je pourrais te faire confiance, que tu viendrais me sauver. Et avant, merci. Ton jeu, Zelda. J'ai pas grand chose sur moi là, alors accepte-moi. Peut-être ça. Que j'aurais passé à meilleur moment sur le 3. Hein. Voilà. Je l'ai quand j'ai sous le piège à cause de ce truc et t'es là comme un pas, alors tu penses bien que j'en veux en plus. Oh, mais t'as vu l'heure? J'ai un truc urgent à faire à tour de reconnaissance, merci encore. Ma peau. Et puis. Évidemment, c'est un petit peu de la merde, votre jeu. Il faut le vouloir. Hein. Faut le vouloir, mais... le pognon. Mais je vais à droite, il redescend à chaque fois. Ah, ça c'est bien, ça c'est marrant. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, il va falloir que tu réfléchisses. Je l'ai noyé, c'est dommage. Ouais, tu l'as noyé, tu pourras plus le récupérer. C'est vrai? Oui. Tu dois juste rentrer et revenir, là. Il revient, mais... C'est les sanctuaires, c'est marrant. Et je pense qu'en mode super hard, c'est ça qui te donne les morceaux de gemmes, là. Ow. Pour les enfants, ton jeu un peu. Moi, je l'ai fait quand j'étais petit. Nu. Bah. Voilà. Non, mais ça va, c'était le premier. Je pense que bah, c'est considéré comme les premiers du début du jeu. Oui, je vénère après. Ouais, mais. Bah, après, c'est le niveau, sanctuaire des îles du Pérou. On dirait un sanctuaire de Tears of the Kingdom. Ah. Avec Loulou qui ne croyait pas qu'il y en avait 4 des sanctuaires là. Tarkabi devenait fou. J'avais oublié. Ah oui, disait bah non, il y en a 3. Faire chier avec ça. Il y en a 3. Oh, ça te casser les couilles, putain. Ah, c'est dommage que j'étais pas là hier, hein, ça aurait été marrant. Ah oui, par contre, si vous mourrez, vous devez tout recommencer depuis le début. C'est mal branlé. Je vous l'avais pas dit. Mais oui, si vous mourrez, vous devez tout recommencer depuis le début. Il mal fait ton jeu.
C'est ça que moi, dans mon... Je me souviens quand j'avais fait une vidéo. Quand j'avais fait une vidéo sur le jeu, j'étais mort. Au, à un niveau plus tard, là. Et j'ai... ça a duré 20 minutes et je suis mort à la fin. J'ai dû tout recommencer. Oh, c'est horrible. Tellement horrible. Alors, c'est pour les enfants, c'est ça? Ouais, c'était mal branlé, là. Oui, bon, les oiseaux, c'est dégueu. T'es limite obligé de te faire avoir, ouais. Eux aussi, là. Tout est mal. Bah, tout est nul, la chier. Il est nul, ton jeu, là. Bah, joue au 3, vas-y. Amuse-toi, joue au 3. Alors, moi, je l'ai pas aimé, le 3. J'ai adoré le 2, mais le 3... Oh. Non, le 3... Puis le 1, bon, ça va, il est... Edouard en a parlé. Il est basique. C'est le premier, quoi. C'est le premier, quoi. Voilà. Ah, c'est celui, la taille de ta maison à la fin, comment si, selon Stérichon. Eh, ouais. Merde. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il ressemble quand même pas mal à... Bah, il ressemble quand même pas mal à Mario, on va dire. Wario Land 1. Avec les casquettes, que tu deviens petit, que tu meurs. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Tandis qu'à partir du 2, ça devient vraiment plus... un système plus unique, entre guillemets. Voilà. Je voulais pas s'infiltrer. Puis là, bah, ça l'est totalement, quoi. Là, c'est pas Mariole, quoi. Ah non, Mariole, ça se contrôle au moins. Mariole, ouais, mais lui, il a pas de chaussons en savate. De chaussures en savate. Ah, mais c'est Luigi qui a des chaussons en savate. Ah, bah, Aqualis disait que Mario aussi. Moi, vous savez, Aqualis. Parole c'est qui Aqualis hein. Parole d'évangile. C'est. C'est pas grave, on vous aime. C'est quoi? C'est qui plutôt, je dirais? Ah, c'est une personne. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je viens pas aussi. T'as déjà plus qu'un PEV? Mais ouais, c'est n'importe quoi. Quand tu te fais juger, sale, t'es déjà mort. Et t'es déjà mort. Peut-être pour ça que finalement il aimait pas mes licences. Quand j'en parlais comme ça, c'est sûr. Oh! Je pense que c'est Toxic Landfill qu'il faut faire. Ça aurait été Golden Diva, le boss final, ça aurait été bien marrant. Ouais, non, mais je peux choisir Golden ID, Passage, hein. Là. Golden Passage. Je peux prendre n'importe quel era qui vaut 5 points. Hein. J'espère qu'il vaut... Ah oui, bah oui. Ça, oui, tu l'as regardé. Oui, oui. Ouais. Ils valent tous 5 points. Bon, même le truc de cliquer sur le bouton, là... Cliquer sur le bouton, 5 points. Tu vois que c'est un vieux set, hein. Ouais, et qui sera sûrement risquant. Non. Mais il a été, hein. Le truc des couronnes d'or, je pense que c'est récent. Ouais, non, pas révision, mais genre un risquant. Salut Ganondorf le plus fort. Hello. Comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, et toi? Oh putain. Voilà, c'est de ta faute, Zeldo. Je suis déconcentré, là. Que j'ai fait? Bah, à cause de toi, je suis tombé. Voilà. T'as respiré. Ça, tout est de ta faute. Oh, Rayman. Tu l'oublies pas que j'essaie de me concentrer. Putain, en même temps, je prends pas la version la plus facile. Hein. De ton TK. La version européenne est plus facile, hein, effectivement. Ils rigolent à leur propre blague de merde, en plus. Je suis pas aidé, hein. Tu vois bah ça, non, bah écoute, pas aidé du tout. Faut bien des gens pour rire à nos blagues, hein. Ah. Bah ouais, merci. Heureusement, merci à D d'exister. Tu es fort à TOTK. Oh... Lui au moins il est gentil, il est pas con. Tu es trop fort. Je dis ça et je tombe comme une pute. C'est drôle. Peut-être une question et pas une affirmation. J'en ai marre de ce jeu, 19 sur 20. Du coup, il est vraiment fort? Je sais pas. J'ai pas eu la preuve en tout cas. Jusque. Franchement, je vais vous dégager un coup de pied dans le cul, ça sert à rien. T'as pas de preuve. Alors, franchement, Koga là, c'était. Oh, ça va. On a pas vu les linelles encore là, mais. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas siffler. En bas. Là. Oh, ça m'énerve. Bah oui, il m'énerve ton jeu, Zeldo, là. Oh, ta gueule. Ah oui. Ah d'accord. Toi, t'es toi. Allez, c'est sanctuaire. Ça va être un peu plus dur, celui-là. Ah bah, c'est déjà perdu. Mais au moins, dans BOTW, on peut siffler. Là, je peux plus. Pour ça, j'y arrive pas. Bah, tu peux siffler. Non, mais tu comprends pas. Je pas mais oui, pour tricher, là. Quoi. Je comprends, voilà. Pour tricher. Je vais m'énerver. Mais là, tu peux ranger ton épée. Là. Non. Mais... Ah
Au moins, je peux dupliquer. Mais... Qui joue à Mario personne. Ici? Non, ils jouent à Wario, là. Ils prennent en otage mon stream pour ouais, streamer ouais. leur jeu. Hey, est-ce que tu veux pas, pour montrer quand même aux gens, Loulou, tu veux pas mettre un petit cadre là en haut? Ah, je peux lancer Twitch, allez. Allez, ou bien je... des streams, allez. Allez bah, je vois suis... pas son stream. Non, mais t'inquiète, hein, mais. J'ai pas le temps. Alors, c'est pour les enfants, c'est ça? De toute façon, c'est pas longtemps, Loulou, c'est juste le temps que j'ai mourir un là. Et... Attendez, on va attendre, je vais vous montrer ce que Adei fait. Vous allez voir son iran. Non, mais non, mais. Trop tard. C'est un sanctuaire, Zaldo, il a dit d'abord. Un sanctuaire. Allez, vas-y. Vas-y, Adé, le sanctuaire. Non, mais je suis nul au jeu, là, arrête. Allez, sanctuaire, allez. Ah oui, il va finir, vite, Loulou, grouille-toi. Attendez, parce que... Mais... Bon, vite, Adé, finis-le avant. Alors, attendez. Ah allez, il faut faire le... Bon, moi, je veux bien. Hein. Hop, on va cutter, comme ça, regardez, hop, là. Oh, ça lag tellement d'un coup. Je pense que tout a explosé. Ah, t'as réussi. Ah, mais je l'ai déjà joué ce jeu quand j'étais petit. Voilà. Ouais. Je le connais, hein. Pas moi. Faudrait pas que la roche tombe dans l'eau, hein. Le problème sur les captures Discord, c'est que je peux pas. Je suis obligé de rester sur Discord. Et maintenant? Bah. Des merdes. Ah. Ouais, enfin bon, bref, c'est pas si tant intéressant que ça. Hein, on va continuer au TK. Voilà, j'en voilà. ai plus pour longtemps de toute façon. Ah, attention, je vais mourir bientôt. Mais on va passer au 3 et puis ça sera vite fait. Hein, voilà. Quoi? Bravo, t'as eu ton diamant. Tout ça pour ça. Hein. Ouais, tout ça pour du score en plus, c'est vrai. Il y a un bout de tablette dans le niveau, du coup, c'est ça? Hein? Il y a qu'un seul bout de tablette dans le niveau. 4. Ah, c'est 4 par niveau, je crois que c'était 4 dans le monde. Ah non, 4 par niveau. Bah là, c'est 4 pierres entières en fait. Mais c'était pas un jeu sur GBA, ah, ça, Zaldo? Il me semble qu'en haut à gauche, il y a un secret. Si, bah c'est bien ça, bah je l'ai fait. Bah, t'aurais pu me dire qu'il y avait des ennemis. Des ennemis? Et la pierre. Voilà, bien joué. Bah, ouais, bon, si c'est comme ça, je vais jamais la trouver en fait. Hein. Tu vois comment c'est dégueu, tu vois. Il est gentil ton jeu, mais c'est une pute. Pour les enfants, mais c'est un petit peu une pute. Une puta. Oh non, t'as cassé la flôme. Oh non. Ah, il y en a une autre. Tu peux te rattraper. Mais non, comment je la sommais? Pourquoi il la casse? Mais non, c'est le jaune que je me suis trompé. Ah. Tu devais te faire enflammer, te elle faire toucher volontairement. Après, oui, il y a des trucs qui te font du mal, des trucs qui te font pas du mal, c'est sûr que c'est. Ah, ça fait pas mal ça. Ouais, bah oui. On va faire en de fait, colline en colline. Il y a des dégâts. En même temps, à l'époque, on avait la notice, quoi, c'était plus clair. Voilà la flamme, hop. C'est vrai que c'était clair, hein. Ouais, ouais, avec la notice, c'était très clair. La notice qu'on lisait avant de rentrer chez nous pour le jouer au jeu, là, il y avait tout marqué. T'as lu la notice, Loulou? Non. T'as pas lu la notice de TOTK? Frère, arrête de me poser des questions que personne ne fait. Soit... Arrête de me faire chier. C'est à la fin du niveau, ça. Oui. Oh. Ils font exprès pour me faire chier à H24. Il y a d'autres choses à explorer. Ils se mettent à deux contre moi. Au bout de tablette, là. Non, non, mais... Attends, je me demande si... Ouais. J'ai déjà lu la notice de Rayman 3, c'est comme ça que j'ai appris comment qu'on avait les petites araignées bleues là. Ah ouais? Je me demande si. Fais-toi enflammer par celui à droite là. Je t'enflamme. Je me demande si à droite, s'il n'y a pas un mur justement que tu le traverses en brûlant. Non. Essaye de foncer avec R dedans ou de taper dedans. Non, tu escalades Link Tight maintenant. Ah. Je me disais bien qu'il y avait un truc, mais bon. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais en vrai, en hard, c'est abusé où ils sont les trucs. Et non, non, mais je pensais qu'en hard tu avais des... Ah, il réapparaît. Tu es venu voir la tour de reconnaissance, c'est ça? On a un petit souci. Lequel? On m'a dit qu'il y avait un souci avec le terminal de la tour de reconnaissance. Pierre, en toute logique, je suis venu le réparer. Ouais, bah, je... Mais va savoir pourquoi la porte refuse de s'ouvrir, donc forcément je ne risque pas d'y entrer. Elle est pas verrouillée, mais il m'empêche qu'elle ne bouge pas d'un poil, qu'on la pousse ou qu'on la tire. Je te vois venir d'ici, et oui, je sais bien que c'est une porte coulissante, c'était juste une façon de parler. À force de me triturer l'esprit, j'ai faim, j'ignore bien... J'aimerais bien me chercher des champignons dans une grotte qui est pas loin. Une grotte?
Oui, tu as bien entendu, il y a une grotte au pied de cette colline. J'y allais souvent pour chercher des champignons quand la tour était en construction. Ok, alors allons chercher la grotte. Bon, alors soit je déplace de 2, de 3 ou de 6. Il a dit au pied de la colline. Ah, tu te dis c'est suffisant ce que t'as fait là, c'est bon. C'est bon, allez. Il est bien ton jeu, mais pas vraiment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une case bleue, allez. C'est peut-être une question de prise en main. Ouais, t'as vu la gueule du truc là, t'as pas envie. Alors, en même temps, moi, mes jeux d'enfance, c'est. J'ai eu une enfance compliquée. C'était hein, peut-être pas le truc à faire, je pense, là, ce que je viens de faire. Parce que du coup, ils vont venir me poursuivre. Mais t'as bien aimé au moins. Ouais. Ah, sinon, j'ai un autre ERA à 8 points là. Attends. Ça doit pas être si pire. C'est quoi? Alors, spoil de Rotten sans prendre de dégâts. Ah bah. J'espère que tu vas aimer refaire le tuto. T'es obligé de refaire le tuto, genre? Ouais, parce que le boss, tu peux pas le refaire. Ah bon? C'est bon. Oh, tant pis. Hein. Oh, c'est pas le Rotten, c'était le premier boss. Oh, 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 oh. Pourquoi j'ai loulou, le truc qui m'a fait racheter quitte le jeu. Quand c'était ma dixième, j'en avais marre. Ouais. Vous trouvez que c'est cavane, c'est une bonne idée, loulou. Du coup, ouais, ton jeu... Oh bah pourquoi écoutez, hein. Il est bien, mais wow, les ennemis qui te touchent pour de la merde, c'est bon. Bah, il est fragile, Wario. Ouais, bah... Non, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas du coup, j'aurais juste pu garder le RA du bouton appuyé qui vaut oh, 6, le sale là. Chien de la casse. C'est vrai. Juste appuyer sur le bouton, paf. Ouais, c'est celui qui fait 6, là. Ah, ferme le jeu, là, c'est... Et bon, saoulé là. Alors. C'était mieux Master of the Sky ce soir. Pour moi, il y avait la nostalgie encore. Hein. Jamais été trop fan des jeux Wario de toute façon. Ouais, bah Wario, y a celui-là. Oh là. Alors, cette fois. Mais après c'est surtout WarioWare, mais WarioWare, moi. C'est complexe. Hein. Earned. Tank. From. Ils ont pas l'air de faire grand-chose. Il vient juste de jouer. Bah, il vient de jouer à Breath of the Wild en fait. Donc, tu viens juste de jouer au jeu ou pas? La même chose. À TOTK? Mais... Ah non, je l'ai déjà fini sur ma partie perso. Enfin, sur ma Switch quoi. C'est pas la première fois qu'il joue quoi. Oui. Moi, à votre place, je commencerai à me poser des questions. La deuxième personne qui vous pose la question. 15. Bon, alors. C'est tout pour le moment. Un tout. 20 cases plus tard, c'est 6 cases. 1, 2, 3. C'est juste que je leur fais un stream parce que j'ai toujours. Ah, sinon, il y a le truc pour doubler mon lancer. Ah! Ouh! Le champignon. Ah, c'est 10 pièces, ouais, c'est bon. Qui a marré par Superstar? C'est pas moi. Personne. Qui a pareil, marré par Superstar? Qui a pareil? Ganondorf. Ah, si. Ah, j'ai le jeu, oui, effectivement. J'ai joué une fois. Allez, AD, vas-y. Ça m'a foutu le seum qu'ils aient mis le jeu gratos sur le online après. Genre le 1, le 2 et le 3. Tu joues avec. C'est parti. Joue avec Ganon. Ensuite, j'ai pas branché. Ah, ouais. Je comprends. C'est justifié. C'est. Un peu la gigaflemme. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4. Qui trouve ça intéressant? On n'avait jamais eu de lune de sang jusqu'ici. Qui s'est dit dans l'équipe de dev, c'est une bonne idée de faire cette lumière? J'avais dit avec Olivia une fois, faudrait qu'on fasse ça là. Mais moi j'ai joué une fois avec la Switch de Lady, là on a joué avec Manette Tous. Et on a gagné. Ouais. Pas compris comment, mais on a gagné. J'pour... En tout cas, il n'y a pas eu d'histoire de défi de merde qui donnait, qui volait 2 étoiles là, étrangement. Bon, moi à chaque fois que je joue à mon parti, je gagne alors ça m'énerve. Ah, non. Ça t'énerve toi de gagner? Ouais, ça m'amuse. Putain. Plus. Ah, 1 minute de 20 de pub. Au revoir, Ganondorf. Voilà. Alors, déjà, c'est N apo. Astre teinté de la couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu
Tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la grande guerre ancestrale, ils repartent à la conquête de ces terres. Oh, c'est les DS déjà. Peut-être qu'il a pas de pub. Je sais pas s'il nous entend. Ah, c'est vrai. Tu m'entends, Eo? Oh. Si tu veux pas de pub, il faut sub, hein, au pire. Ok. C'est sur ma chaîne à moi, hein, sur ma chaîne à moi. C'est long quand même, ces conneries de pub. Hein, en plus, et 70 secondes, là, encore. C'est vraiment long. C'est vrai que je regarde pas, là, du coup, hein, que j'envoie des messages de haine à Wizard. Mais comment ça, de haine, de NA? Le Kong. Ah oui, j'ai été choqué de voir qu'on pouvait pas cacher les petits bâtons avec une épée, qu'il fallait vraiment les prendre à la main. Ah ouais. Ça y est, la porte est ouverte. Comment tu t'y es pris pour la réparer? Waouh. Justement, en parlant de jeu de l'année. Je viens de dire que la porte était coincée par des bâtons. J'en viens à me demander si c'est un hasard. Lolo, il a dit que Halo, ça allait être son jeu de l'année. Non, Lolo, il a trouvé ton jeu de l'année. Enfin bref, tu me tires d'un bel embarras, merci. Bon, alors entrons. Comment ça? Oui. Un jeu qui va me plaire à moi. Ça commence par un S. Skyward Sword. Bingo. Spider-Man Morales. Miles Morales. J'ai rien dit du tout. Qu'est-ce qui me chante? Un petit Starbound. Ah, oh, incroyable. C'est quoi Starbound? C'est un jeu, en fait. T'es un humain. Parce que t'as bien Minecraft. Tu commences dans les planètes. Tu commences dans l'espace. Et en gros, tu vas sur des planètes, tu récupères des ressources, tu crées tes propres constructions. Attends, je t'envoie le trailer de 5 minutes. Ouais, qu'on a regardé avec Adèle alors qu'il y en avait un de 1 minute. Bon, je vais aller ranger mon assiette, là, façon. Je vais aller chercher la mienne. Bonjour. Ah, oui, bon, bah, moi aussi, je cherchais mon assiette. Bah, attends, je vais te passer la mienne. Calendar, je te passe la manette. C'est parti. Fais le stream à ma place. Oui, mais le trailer d'une minute, c'est celui-là, 1.4. Ah, bon, Adé, Wizra veut des détails, Adé, bonne chance. Bah, non. Ah. Bah. C'est quoi votre jeu préféré? Bah, que j'ai pas aimé le jeu, je peux te dire quoi de plus? Le jeu, je m'abuse pas dessus. Tu veux que je dise écoute, Wizra est curieuse, alors vous allez lui répondre. Ah bah, Wizra, il casse les couilles. Je rigole. Wizra qui va quitter sinon, le serveur. Sinon, on va dire après que je suis méchant, nani naner, bah oui, et méchant, patati patata, que méchant, je suis encore aigri. Et par contre, quand je suis gentil, les gens sont méchants avec moi. Parce que c'est normal. Les gens, ils sont méchants avec moi quand je suis gentil, donc après, j'arrête d'être gentil, t'as vu? Et après, on me dit, ah, mais t'es méchant. Ouais, bah quand je suis gentil, j'en ai rien à foutre, donc bon. Quand t'es gentil, on s'en fout, mais dès que t'es méchant, on te dit quelque chose, c'est vrai que c'est chiant. Non, pas qu'on s'en fout. Quand tu es gentil, les gens sont méchants. Et quand tu es méchant, les gens sont méchants. Donc autant rester méchant, point. Méchant. Les gens sont méchants. Si je suis méchant ou gentil. Non. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai plus de patience avec les gens, ça y est. Je suis aigri dans la vie. Mais je suis gentil, Zelda, c'est ta faute. Si j'ai pas aimé le jeu, c'est ta faute, Zelda. Tu m'as dit de jouer en hard. Voilà. Ce que j'avais dit. Bah en vrai t'aurais peut-être dû jouer en normal. C'est vrai que le RA avait pas l'air. Moi je m'étais sûr qu'il y avait des RA en mode qu'on se fait en hard. T'avais des trucs de plus. Je pense. J'ai pas vu le set. Moi je suis très gentil. Moi ça a l'air en tout cas. Plus gentil qu'AD, ça c'est sûr. C'était juste finir le jeu en... Enfin Battle Boss final en hard. Oh merde, c'est con du coup. Tu l'aurais pas fait. On voit rien. Merci pour le trailer. C'est nuageux. Ça a l'air chiant. Non mais ça l'image là ne représente pas. Ça ressemble à... Ah, je sais plus quel jeu là où t'es dans un vaisseau là. Qui est oui, mais l'image là ne représente rien du jeu. Il y a un sanctuaire. C'est pas ça le jeu. Moi je suis très gentil. Moi aussi je suis très gentil. Oh, il y a une toile. Je la veux. Mais bon, Loulou il a entendu la musique et il a fait oh, c'est mon jeu. Ah si. Attends, c'est des méchants ça. Oh bah non alors. C'est vrai que je suis méchant. Oh, mais sérieux, c'est de la triche. Mais tu veux quoi, toi? Hop là. Ça, c'est pour moi.
ça aussi, et je veux prendre ça. Super! Tu combien de... J'en ai 80, ça va en vrai. Oh, alors, putain, je vais récupérer le verre, la tour en verre, si j'y arrive. Ça, c'est pas donné. Oh! Parfait! Tout ce que je demandais. Hop, 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 hop. Ah putain, il y a un... Bon, tant pis. Faire les tours d'abord, on a dit. Bon, vas-y, je vais faire le sanctuaire là-bas. Enfin, je vais pas le faire, mais je vais le récupérer comme ça. Ça fera un point de TP au cas où. C'est là, c'est frais. Il y a une fée là-bas. Un champi pour... Voilà. Champi enduro, c'est important les champis enduro. En vrai, c'est vraiment important parce que quand t'as vraiment pas grand-chose au début du jeu, c'est vraiment utile. Donc je préfère les prendre, pas me casser le cul. Voilà, on va aller. Je pense qu'on va y aller à cheval directement. Ce sera plus facile. On va prendre Oreo. C'est mon cheval. Ceux qui m'ont vu sur Breath of the Wild, on a récupéré Silver, mais on a trouvé un cheval beaucoup plus mince. Du coup, on a récupéré Oreo. Parce que Oreo, il est mignon. Oh. Ah. Ah. Bon, j'ai deux Epona, mais c'est normal. Allez, Oreo. Oui. Oh. C'est parti. Oh. Ah. Oh. Ah. Oreo. C'est pas. On va voyager tous together. Forever. Ok, donc il nous faut la tour verte. On va y aller. Oreo ? Bon, il est parti. Alors, je vais jeter une arme de merde. On va projeter celle-là. Et on va prendre ça, comme ça. Au cas où on a froid. Parce que là, je sais même plus où on va, donc... Si c'est une contrée froide ou chaude. Ouais, je pense que c'est froid. On verra. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ça dans... Merci pour ton follow, Ganondorf le plus fort. Trop bien, bienvenue dans l'équipe des BG que nous sommes. Ah putain, je me disais bien qu'il y avait un... Ah, il tombe du ciel maintenant. Putain, attends, je pense que... Ouais, je vais passer par là-bas. Mais Oreo, tu fais pas d'effort. Ah, enduro. Appelle-moi juste Ganondorf. Oui, mais comme t'as vu, tu t'es follow, je me suis dit... Je vais t'appeler par ton nom complet. Parce que c'est poli. Mais oui, ok, si tu veux. Ah ah. Oh ! Trop bien. C'est parti pour construire des trucs. Ouais, on va construire, on va s'amuser. À prendre. Je sais pas c'est quoi, mais... Ah, c'est une luge. On va la prendre.
Il n'y a pas plutôt un truc pour voler? Je sais pas, ce serait pas genre mieux. Non, j'ai pas. Oh, toi triste. Vas-y. On va prendre ça. Mais non, t'es pas nul à TOTK. Faut pas dire ça. Tout le monde est fort. Faut juste le réaliser. Ça, par contre, de ma part, c'était nul. Alors, attendez. On va le coller sur le Teco. On va coller ça de... Non, en vrai, attendez, parce que... Là... Normalement, ça doit être en face. Nickel. Ah, il y a le guidon. Il est là. Je cherchais un guidon. Eh ben, j'ai un guidon. Par contre, je sais pas si ça se pilote, ça, parce que c'est pas un planeur, hein. De toute façon, on verra bien. Y a pas un planeur qui traîne, genre? En vrai, je pense que si Nintendo a mis ça là, c'est que ça doit fonctionner, je pense. Ils sont pas bêtes, ils vont pas nous faire faire... n'importe quoi. Bah, en même temps, adviendra qui pourra. Je veux dire, en même temps, je suis plus à ça près. Et voilà le travail. On va sauvegarder au cas où il arrive une couille. Toujours sauvegarder, c'est important de sauvegarder. Oui. Et il me faut un planeur. Mais en vrai, je sais pas ça. Hein. Il me faut vraiment un planeur. Hein. Bon, ça se trouve, je vais être surpris. Hein. Oh, mais non, je pense, je sais. Ça se trouve, ça se met là. Bah ouais, c'est trop bien de construire des trucs. Elle est belle, ma bête, en vrai. C'est pas très symétrique, mais... Ah si, ouais. Vas-y, on va essayer de là, et on verra bien. Ah si, ça marche. Un petit peu, ça marche. C'était pas ouf. Mais... Dans l'idée... Je regarde si j'avais pas un plat cuisiné. Ah non, j'ai rien. Faut bien de construire. Parce que des fois... Mais oui, c'est bien de construire. Je ne se prononce pas. Alors, voilà. Oui. Alors, faut savoir que Zelda n'aime pas TOTK. Mais non, c'est pas ça. Si. Moi, je suis aigri avec les gens et Zelda, il est aigri avec TOTK. Chacun sa tasse de thé, hein, tu me diras. Et Remakai. 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 Il a mis toutes les VOD sur YouTube, sauf la partie 1 de Remnant of Doom, qui est quand même un petit peu là. Ah, t'as mis la fin de Remnant of Doom, mais t'as pas mis... Bah, j'ai tout mis d'un coup, mais... Sauf la 1. Ouais, voilà, c'est ça, la 1, elle est pas encore... Le traitement est pas encore fini. Ah bah bravo, je ne te félicite pas, Zelda. Et c'est vous, quoi, vous aimez bien construire, AD? Construire quoi? Attends, je reviens. Dans Tears of the Kingdom. Non, on construit dans Starbound, du coup. Okay. T'as vu le truc ou pas? Parce que Lady, elle a dit oui. Quel truc? C'est... Bah, le trailer. Ah oui, c'est vrai que les arbres, ils sont vivants ici. Trailer que tu m'as envoyé, là? Oui. Ah, oh, je vais le regarder, ton truc. C'est bah, tu peux skip un peu, hein. Regardez vite fait, hein. T'es pas obligé de te taper les 5 minutes. Hein. Ah, c'est beau. Comment j'aimerais trop avoir le pouvoir de Revali, là. Ouais, le jouer pour. Tiens, la musique. Oui, la musique, elle est un peu trop. Hein. C'est un peu trop la musique. La ouais, musique en fait, de... c'est. Starbound. Ah, mais oui, oh, ce jeu, je veux trop le faire. C'est Stardew Valley en vue de côté, quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est beaucoup. Oui, mais c'est un peu ce que je me disais. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à Stardew, bah ouais, mais avec la ferme en moins, en fait. Ah, c'est un peu con, du coup. Bah non, c'est différent. Mais t'as vraiment une histoire. Stardew Valley, t'as pas vraiment d'histoire. Enfin, l'histoire, c'est que ton grand-père, il est mort et il te laisse sa ferme. Super. Il
Du coup, ça t'intéresse pas de ce que j'imagine? Bah, vous savez que moi, les simulations, c'est pas son style, hein. Là, c'est pas une simulation. Les bacs à sable... attends, il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose. Attends. Il se passe un truc, là. Oh non, c'est le truc où il pleut indéfiniment, là. Ah, c'est genre... Il y a Nuru, c'est la sœur de Roru, je pense. Théorie. Je triche puisque j'ai la baguette. Mais en gros, c'est tu peux faire ta maison, tu peux biner, faire tes constructions, ou partir à l'aventure. Il y a des boss, hein, à la fin du trailer, d'ailleurs. Genre, à la fin, c'est beaucoup axé sur le PVP. Enfin, le PVE. Ah non, on triche pas, là. En fait, c'est un jeu où il y a tout, quoi. Oui. Il y a tout, en fait, vraiment... le jeu de tout. Voilà. Tu peux pas ne pas aimer, techniquement. Mais tu peux pas, enfin, adorer non plus forcément, du coup, vu qu'il y aura forcément un point que t'aimeras moins, quoi. Ouais, mais genre, par exemple, tu vois, sur R1, là, je change de sujet. Genre, bah, c'est une amie qui fait le set de Pokémon Diamant et Perle, enfin, de Diamant spécifiquement, sur qui fait le set, ça fait plus d'un an, deux ans. Ouais. C'est le jeu, le set le plus demandé sur les consoles portables sur le site. Ouais. T'inquiète pas que les gens, ils chialent pour avoir leur set. Ils sont assez quand que ça sort, arrête de te toucher les couilles, là. Et elle fait, bah, sortir quand sera sorti, si vous voulez aider, aider, et puis, bah, ça ira plus vite, genre. Parce qu'elle avait perdu toutes ses save states, en fait, pour pouvoir miner la mémoire et tout. C'est un comment tricher dans le jeu, j'adore. C'est un peu comme quand je me plains, entre guillemets, de Link Begins, Solaris Edition, là, en mode, ouais, un jour. Et à chaque fois, il y en a un, une fois, qui m'avait répondu. J'ai cru que j'avais softcock le jeu, j'ai eu trop peur. T'as le potentiel, t'as les compétences, on le sait que tu peux nous aider. Effectivement. Et le problème, c'est que si je fais ça, bah, mes jeux à moi, ils sortent jamais. Déjà qu'ils sortent jamais. Donc bon, voilà. Ouais, mais là, c'est les gens. Bah, tu sais, t'as juste à donner des safe states, rien que ça, tu vois. Ça aide énormément parce qu'elle a pas besoin de tout refaire là, mais bon. Là, c'est une lion rouge. En vrai, c'est vraiment, ça a l'air vraiment cool. Il y a l'air d'effectivement d'avoir tout dans ce putain de jeu. Voilà. Mais j'imagine que tu passeras ton tour. Bah, vous me connaissez. Voilà. Voilà. Mais si Lady, si Lady le prend, je pourrais y jouer. Hein. Elle l'a déjà pris. C'est dans sa bio alors. Oui, tu peux y jouer maintenant si tu veux. Starbound. Ah oui, je pense qu'on lui a offert hier. Oui, mais tu pourras y jouer. Tu pourras pas jouer en même temps qu'elle. Je pense qu'on va y jouer demain. De quoi? Parce que demain, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu de prévu, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Parce que bon, de ce que dit Wizra, on est mieux d'attendre pour KH2. Hein. Oui. Voilà. Donc bon, vu que faut attendre. Bon, on va attendre. Mais Starbound, c'est un bon jeu, wesh. Faut m'attendre, hein, ça va pas ou quoi? Non, mais il dit ça parce que ça va faire chier Wizra s'il fait pas KH2. Ah. Bah, c'est elle qui a dit. Voilà, c'est ta faute, Wizra. T'as ouvert ta gueule. Wizra, c'est elle qui l'a dit. Ouais, elle a dit qu'elle attendait que les R1 sortent dessus pour le refaire en même temps que moi. Et les R1, ils sont prévus dans 1-2 mois. Bon, on attendra 1-2 mois. Ah, toujours pas de nouveaux commentaires. On regarde sur le forum. Alors, montre-moi ça, là, dans les jeux, là. Il y a un mec qui a demandé le 3 avril comment ça se passait pour le 7 et... Ah, le 12 juin. Starbound. QRST. Est-ce que si je vais là-bas, je vais battre le... Ah, il est en train de jouer, quoi, en fait. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Il est pas dans la liste. Ah, elle a peut-être pas... Elle a peut-être pas activé la clé Steam encore. Ouais, j'ai Stardew. Tid. Staking. J'ai Spyro, pardon. Tu sais que Spyro, j'ai comme envie, là, de le faire, Spyro, là. Je suis en train de regarder où de Spyro ces temps-ci. La trilogie. Et du coup, ouais. Du coup, ça... Au pire, fais les Spyro 4, hein, du coup. J'ai comme de l'envie, là. Fais les Spyro 4, tu les as pas fait. Ouais. Bah, en vrai, j'ai pas fait les Spyro 3, déjà, donc... Mais bon, t'as envie de jouer au 2, surtout. Le 2, je l'ai déjà fait. Oui, mais c'est au 2 que t'as envie de jouer, je le sais. Bah, le 2, ça reste mon préf, mais le 3 est super bon aussi, hein, vraiment. C'est vrai. Et le 5, n'en parlons pas.
Le meilleur de la licence. C'est le meilleur. En vrai, ça fait longtemps que t'as pas fait Heroes Tale, ce serait l'occasion. Bah, depuis le début de la chaîne. Depuis 7 ans. Donc, bon, oui. Après, c'est ceux qui vont encore faire. Putain, ils jouent encore à Spyro, ce connard. Oui, ouais, mais bon, bah, ce sera moins pire que si tu joues à Spyro 3, là. Et oh! Est-ce que j'ai le droit de jouer à ce que j'aime? Non. Bah, non. En fait, c'est pour ça que tu joues à KH. C'est vrai. Déjà. Vous marquez un point. Parce que vous le savez bien que je fais semblant d'aimer le jeu. Bah oui. Et puis nous, on fait semblant de te vendre bien le 2, alors qu'au final, c'est le pire. Alors qu'au final, c'est pas un truc de ouf. Le 1, il était mieux, quoi. Connard. Mais ouais, les restes du Doom, là. Presque terminé. Hein. Reste de Doom. Tu joues à Doom, toi. Ouais. C'est nouveau, ça. Ah, par contre, Wizard qui fait que le mal pourrait pleurer, c'est des bons jeux. Vas-y, j'ai joué au 1 là. Au secours. Le mal pourrait pleurer. Devil May Cry. Oui. Voilà, merci. Ouais. J'adore l'appeler comme t'as ça. Joué au 1. Ouais, mais il paraît... ouais, mais il paraît que le 1 c'est le pire. Oh, mais il est si dur. Tu te fais tout shot par tout ce qui bouge. Il paraît que c'est le plus dur, justement. Mais il paraît que les autres après c'est mieux. Non, mais je joue en normal. Ah, en fait, j'ai même pas le choix de la difficulté. Je joue en facile. Bah non, il n'y a pas c'est... de choix. C'est pire que God of War, du coup. Bah, je me fais tout shot par tous les ennemis du jeu. Et les boss y compris. Sachant que les boss, il faut 50 coups pour les tuer. Une flaque cœur. C'est trop mignon. Dark Souls, ça a l'air moins dur, legit. Hein. Non, mais Dark Souls, il y en a beaucoup qui font en mode c'est trop dur, parce qu'il est sorti à une époque où le casu primait, quoi. Donc dès qu'ils ont vu un jeu qui était en mode à l'époque, à l'ancienne, entre guillemets, bah, ils se sont dit, waouh, c'est super dur. Oui, c'est ça, bon, bah, c'est juste voilà. De l'apprentissage de pattern. Oui, oui. Sauf que sur Devil May Cry... C'est du... Bah, les patterns, en fait, l'attaque, il l'a fait instantanément, donc tu te la prends dans la gueule, forcément. Ouais, t'as pas le temps. Bah ouais. Du coup, vous avez... Vous avez pleuré, c'est ça? Bah en plus, oui. Mais c'est très bizarrement fait, tu vois. C'est comme si t'avais. Le début me fait beaucoup penser au premier Resident Evil. Tu sais, tu rentres dans le manoir et tout. Mais c'est comme si, une fois passé la porte où t'as le premier zombie, fin du chapitre 1, on passe au chapitre 2. Et genre, là, t'as un découpage en mission. Vraiment. Allez, c'est parti. Non, mais t'as un découpage en mission alors que c'est genre. Tu peux réaccéder aux endroits des missions d'avant. Bon, à partir d'un certain point, tu pourras plus, j'imagine. Mais du coup, c'est très bizarrement fait. C'est bizarre, oui. Ouais, c'est comme si. Ouais, c'est comme si, comme tu dis, Resident Evil, il était coupé entre missions, mais t'as tout le manoir quand même. C'est quoi, ça. Donc, ouais. Après, le 4, c'est fait comme ça aussi. Ça m'a jamais choqué. Mais en même temps, l'histoire, il y a plus de progression, là. C'est genre, ça coupe... Genre, tu passes une porte, fin de la mission. Tu sais jamais quand ça... Le jeu n'a pas le temps, tu vois, c'est genre... Ah oui, il te revient jamais, hein. Ah, c'est fini. C'est la fin du niveau. Quoi ? Ah, c'est la fin du niveau, allez hop. Genre, la mission 2, c'est j'ai posé le sceptre dans une porte, je l'ai ouverte, fin de la mission. Je fais... bah, merci. Bon, la mission 3, toi, tu bats le boss, tu te dis, bon bah ok, fin de mission dès que tu prends la pente de sortie, toi. Bien non. Il y avait un boss, quoi. Et ensuite, il y a un boss dans le niveau juste après. Bon, bah je pense que je vais m'arrêter là, il est 20h05. Le mal pourrait pleurer. C'est un très beau titre. C'est presque poétique. Eh oui. Franchement, je me suis dit, comment ça se traduira en français le... Ah, le mal pourrait pleurer. Ah, c'est vachement poétique. Et c'est vachement... c'est vachement, en fait, réaliste. Le malin. Le malin. Oh, non, le malin. Non, j'aime pas. Bah, c'est comme Ganondorf. Hein. C'est le seigneur du malin. Et puis j'ai fait le niveau comme je pouvais là en speedrun et tout. J'ai vu le scoring pour avoir des S. Alors faut faire un niveau sans se faire toucher, dans la time limit indiquée, en récupérant le nombre d'XP requis. Enfin genre, t'as un nombre d'XP à ramasser. Et si tu pars d'une salle où il y a encore des ennemis vivants, tu perds des points. Non, genre en fait, des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens le scoring dans ce jeu. Bah tu vois, c'est pour ça que ça ressemble tant à RE.
Bon, et eh bien les gens, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Je vous fais plein de bisous. On se retrouvera lundi. C'est lundi, tu stream, Zeldo? Bien sûr. À 21h? Non. Lundi? Ah, peut-être. Ouais. Ah, mais il va falloir que je mette là. Oui, il va falloir que j'en discute là, de voir l'horaire, de quand est-ce qu'on refait Ratchet AD. Moi, je pensais faire mercredi. Mercredi, je travaille pas. Et me donner ton planning aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Que je fasse le calendrier parce que j'ai pas fait cette semaine. Planning, maintenant. Non, tu me dis. Tu me dis. T'envoies juste une image du tien. Et gaspille. Bisous les gens, take care. See you tomorrow. After tomorrow. Bye. Bye. Te veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad. Y sigues ahí, soñando con ser, pero no ves que yo tengo el poder. No quieras brillar, llamar la atención, a nadie le interesa tu opinión. Actúas, no perteneces, no.